Donc, dès qu'il y a, si vous voulez, des réponses de la part des États, il y aura moins d'hésitation des personnes à se définir eux-mêmes qu'en déplacer en termes. Parce que finalement, c'est une stratégie d'adaptation sociale. Et c'est peut-être ça qui, en partie, a permis que les personnes en Colombie continuent à être, disons, un peu invisibles, un peu éparpillées, parce que quand même, il y a une politique qui répond. Donc, on a moins besoin d'établir des camps. Donc, ça montre quand même, si vous voulez, la capacité d'adaptation des personnes aux réponses. Et de toute façon, bon, le principe, c'est toujours de réagir aux préférences que les déplacés eux-mêmes vont montrer du point de vue de leurs besoins de protection et de leurs besoins d'assistance. Bon, ceci dit, on parlait de cette initiative. On a fait un document assez court avec le représentant du secrétaire général sur la situation des personnes hors de camp. Et on a engagé un débat au sein le groupe, l'Interagency Standing Committee, qui est le groupe des agences humanitaires réunies à New York, pour trouver des façons, précisément, au lieu de pousser des personnes à aller dans des camps parce que c'est plus facile pour nous d'assister dans les camps, comment nous devrons nous adapter à des situations où les déplacés eux-mêmes choisissent de ne pas être dans des camps. Comment s'adapter plus à ces réactions des déplacés eux-mêmes. D'accord. Comment aller les chercher au lieu de demander aux déplacés d'aller nous chercher. Anne, un peu la même question, c'est-à-dire le camp, oui, d'accord, mais au-delà du camp, le fait qu'on s'installe dans la durée, et puis le fait de ne pas oublier quand même que IDP, derrière cet acronyme tout à fait bureaucratique, il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui essayent de vivre, il y a des gens qui parfois au cœur des camps font des manifestations en disant nous existons. Comment vous prenez tout ça en compte? Bon, nous, on a un peu la réflexion inverse au CICR. Hein. On est en train justement aujourd'hui de se poser un peu la question qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de plus dans certaines circonstances de camp pour que la situation humanitaire soit meilleure. Mais traditionnellement, on a plutôt une approche et une stratégie opérationnelle qui va aller au devant des communautés affectées. D'abord, dans un premier temps, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire dans une situation de conflit pour que ces populations civiles qui sont protégées par le droit international puissent rester chez elles, avant, hein, elles ont un droit, selon le droit international humanitaire, à la protection par les parties au conflit, qu'elles soient étatiques ou non étatiques. Et là, il y a un travail de prévention des conflits dans le sens du droit et de la protection qui est absolument primordial en ce qui nous concerne. Et puis, il y a tout un travail aussi en termes d'assistance. Il s'agit des fois simplement de rétablir le système d'eau d'une ville pour éviter que la ville se vide en quelques heures parce que tout d'un coup, ou de faire en sorte d'intervenir auprès de parties au conflit pour éviter que des installations civiles soient bombardées. Et ça, c'est un travail qui est absolument primordial, de faire en sorte que ces déplacements soient dans la mesure du possible évités. Et puis après, il y a effectivement, lorsqu'on n'a pas pu éviter le déplacement, la nécessité de faire des évaluations de communautés, alors pas d'IDPs, mais de communautés affectées par les déplacements, qui incluent, dès le début des évaluations pour le CICR, les communautés d'accueil. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que si ces communautés d'accueil sont les premières à répondre, généralement, par une générosité, par une proximité avec ces personnes qui ont été affectées directement par les violences, elles peuvent très vite elles-mêmes devenir victimes parce qu'elles ont tout d'un coup une décapitalisation de leurs ressources et qui font qu'au bout d'une semaine ou deux, elles ont partagé le peu de ressources qu'elles avaient avec les personnes qu'elles ont accueillies. Puis si elles n'ont plus rien, ben elles vont simplement se déplacer aussi pour pouvoir accéder à de l'assistance humanitaire qui est peut-être que 10 ou 15 kilomètres plus loin. Donc il est absolument primordial d'inclure dans les programmes d'assistance des communautés d'accueil pour qu'elles ne soient pas pénalisées ou négativement discriminées par des humanitaires qui finalement viennent assister des IDPs et non pas ceux qui font le travail d'accueil. Et puis finalement, on considère effectivement que les camps ne peuvent être qu'une solution de dernier recours, qu'une solution qui doit répondre à une urgence humanitaire clairement identifiée et qui doit justement répondre à une solution le plus temporaire possible. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que ça crée des dépendances, que ça modifie passablement le tissu social de ces communautés qui sont agglutinées sous des tentes pendant des semaines ou des mois et qui n'offrent pas forcément les services. Et que c'est assez souvent plus facile pour certaines autorités de dire, bon ben voilà, l'organisation est telle, vous m'installez un camp au bout de la ville,
Et puis, puis vous amenez de l'eau avec des camions, parce que moi, mon système d'eau de la ville, voilà, je n'ai pas forcément envie de partager. Donc là, c'est vraiment pour le CICR une solution de dernier recours, lorsqu'on a vraiment épuisé toutes les autres possibilités de faire en sorte que ces populations soient soit protégées, où elles devraient pouvoir rester, soit qu'elles soient accueillies dans des structures qui sont au plus près de leur vie quotidienne. Bien sûr. Michel Agier, à Le Camp, une solution Oui, mais justement, je parle de votre question. Le camp comme solution pratique, mais pratique pour qui ? C'est ça la question. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui a été dit. C'est pratique pour les organisations parce qu'elles s'installent quelque part et finalement, elles installent tout le dispositif et la logistique, mais pas forcément pratique pour les gens qui ont à venir là pour trouver une forme d'assistance. Donc je pense que là, il y a un travail, peut-être mais les autres personnes à cette table feront mieux que moi, qui est d'évaluer l'économie générale des camps et l'économie générale de l'aide. Je ne suis pas sûr, et Barbara Arelbon, qui travaille beaucoup depuis de nombreuses années avec les grandes ONG et avec les agences, diverses agences onusiennes, défend que non, ce n'est pas vrai, les camps ne coûtent pas moins cher que la prise en charge des urbains, si on peut dire, qu'au contraire, les camps coûtent plus cher. Alors, je n'ai pas fait de compte de la dépense, hein, que ce soit du HCR ou du CICR, et des ensembles d'ONG qui travaillent avec, sur le coût de cette prise en charge, mais il me semble bien qu'il y a quelque chose, en tout cas, du point de vue de l'accompagnement, parce que c'est ce qu'on dit, qui est que la spontanéité de la pensée que le camp est la solution pratique mérite d'être revue systématiquement en inversant simplement le point de vue et en se demandant pratique pour qui. Et puis il y a une question de temporalité. Alors on peut un petit peu rentrer dans les détails. Je pense qu'effectivement, quand j'évoquais tout à l'heure le fait que des gens eux-mêmes peuvent faire des marches, des courses, des fuites, des regroupements, et qu'ils se mettent quelque part à un moment donné pour se regrouper, se réorganiser, dans l'immédiat une survie, quoi, hein. On est souvent dans des communautés de survie, hein. J'ai eu l'occasion de développer un petit peu ça. La temporalité de cette affaire peut devenir complexe, on va dire. Je ne veux pas du tout dramatiser, mais soit les gens se trouvent enfermés dans cette situation parce que, effectivement, on leur dit ben, vous restez là et on va vous maintenir en vie dans les meilleures conditions possibles, etc., etc. Mais enfin, c'est quand même du maintien en vie. Soit l'autre chose, c'est de dire faisons en sorte que des vies ne s'installent pas dans une espèce de situation d'urgence permanente, et donc favorisons le redéploiement, la dispersion des gens. Et c'est pour ça qu'on a des paradoxes. Je pense que je connais un petit peu Monrovia et Freetown et les camps déplacés de Monrovia et Freetown, qui sont un peu une aberration. On dit mais là, effectivement, je ne suis pas dans les politiques publiques, je ne suis pas dans les politiques des agences internationales, mais il me semble bien quand même, une question de bon sens, qu'une fois que des gens sont arrivés quelque part, on se rend compte, des gens m'ont dit « Monrovia est un vrai camp de déplacés ». Effectivement, les gens ont trouvé des tas de solutions, mais là, une politique de soutien public par le HCR, le CICR, bien sûr, les grandes administrations internationales et locales, enfin nationales, quand elles essayaient de se recréer, auraient pu créer quelque chose qui soit différent que cette stabilisation des camps. Je pense à Khartoum, l'importance des camps déplacés dans la banlieue de Khartoum ont un autre effet qui est ce que je voudrais évoquer là. J'ai une seconde. C'est premièrement, la guerre est un facteur d'urbanisation. Deuxièmement, de l'asile naît la ville, comme dit un historien bien connu, Michelet, au début du 19e siècle, qui nous a dit ça, de l'asile naît la ville. On se déplace, on arrive quelque part en se regroupant. Peut-être que ça peut un peu se ghettoiser à un moment donné, ça crée quelque chose, et c'est ça qui crée à moyen terme ou long terme de la ville.